Et coucou tout le monde, ici Krazog et bienvenue sur le troisième épisode de Farming Simulator 19. Alors je viens de prendre la mission qui va me rapporter 9508 euros, qui consiste à répandre de l'engrais sur le champ 6. Et on peut utiliser n'importe quel type d'engrais. On est libre, voilà, on a le choix vraiment du type d'engrais à utiliser. Alors, on peut même prendre du lisier ou du fumier quand on a des vaches. Alors, des vaches ou des cochons. Alors on va prendre tout de suite. Hop, mon hardi, mon laurel et hardi. Et je vais vous montrer une seconde façon de remplir, tac, de remplir les équipements. Alors, est-ce que je suis, j'ai pas regardé si j'étais assez haut. Par contre, oula, pour faire ça, je vais me mettre en vue externe. Et là, est-ce que... Ah, ça va pas marcher, là. Ça ne va pas marcher. Non, ça ne fonctionne pas. Ah, peut-être que je suis... Oups là. Bon, c'est pas que je suis trop haut, c'est que ça ne fonctionne tout simplement pas. Zut! Alors, je suis mal placé... Non, ça ne marche pas du tout. Non, bah tant pis. Voilà. Pour les trucs de graines, ça fonctionne très bien. Et puis là, j'ai pas de... Faut que je me rachète un poids pour mettre derrière. Alors, hop. On va venir ici et on va appuyer sur R pour remplir. Voilà. 2200, ça c'est fait. J'ai oublié de couper le moteur ici. Voilà, et on va aller tout de suite sur le champ numéro 6. Donc on va couper un petit peu à travers champ. Ah, quand j'appuie sur 9, je peux avoir une grosse carte. Donc, je vais récupérer la route juste derrière la petite colline. Passer par là, il y a un petit chemin. Bah, j'ai pas la souris pour montrer. Je pense à mettre une petite flèche sur la vidéo. Voilà, ici, il n'y a pas de chemin. Ah si, il est juste là. Ouais, il est minuscule. Alors, on prend le virage. Donc je rappuie une fois sur 9, ça la disparaît. Ça la fait disparaître la carte. Et une autre fois sur 9 pour l'afficher en petit. Là, mon truc, il est bien plein. Tac, et ça va nous faire 9000 euros moins 3000 euros d'engrais. Allez, on va commencer. Je vais commencer par le bout là-bas, hein, histoire que ce soit un truc droit. Allez. Il est un peu bizarre ce champ. Je vais repasser en vue externe. Là, on se met là. Merde. Là, j'ai les doigts qui appuient pas où il faut. Et là, est-ce que je suis bon? Ouais, on va essayer de faire les choses bien. Hop, là les plans sont bien montés, on va lever un petit peu les bras de ma grosse machine. Ah zut, j'ai pas déclenché le truc. Allez, c'est parti. Pulvérisation. Donc là on va qu'à 12 km/h, hein, c'est normal. On peut pas aller à fond les ballons. D'ailleurs, si je manque d'engrais, non, je pense que pour ce champ-là, ça ira. Hein. Ça consomme pas beaucoup, ce truc. On va essayer de rouler droit, quand même. Et de faire les choses à peu près bien. Donc, je vais essayer de compléter, de penser à la fin, sauf si j'en ai vraiment trop marre. Mais à vraiment bien pulvériser tout le champ, c'est-à-dire je m'arrêterai pas quand ce sera marqué. Ah, c'est bon, là.
C'est bon, la mission est terminée. Je sais, c'est qu'un jeu vidéo, mais bon. Autant faire les choses à peu près bien. Alors c'est chiant, c'est quand ça a poussé, on voit pas trop où on est passé déjà. Aïe 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 aïe. Alors, hop là. Alors là, ici, j'ai le truc qui est là. Et ici, tac. Merde. Alors j'espère que je suis bon. Que je ne chevauche pas trop. Ah, 3. Voilà. Ah, mais j'arrête pas de me tromper de touche. Pourtant, j'ai le clavier qui a pas bougé d'emplacement là. Alors. Est-ce que je suis bien droit? Tac, je vais aller voir sur la carte. Travailler, pas fertiliser. Ah, il me manque un tout petit bout là. Alors, on va venir par là et on devrait être bon. Ah, c'est mieux quand le champ n'est pas du tout poussé. On voit que la terre est un peu plus sombre. Alors que là, en plus, moi qui vois pas bien les couleurs. Je vois même pas si c'est. Bref. Alors pensez à couper le pulvérisateur à la fin pour ne pas dépenser inutilement dans de l'herbe. Hop là. Doucement. Allez, hop, et c'est reparti dans l'autre sens. On va essayer de garder la roue sur cette rangée là. On a l'air d'être pas mal. 84% il me reste. Ouais, j'ai bouffé 16% pour ça. J'ai fait plus de 16% du champ, je pense. Allez, on va passer un petit coup en accéléré. Histoire que ce soit pas trop ennuyeux.
Et voilà, le contrat du champ est terminé, on le voit en haut à droite. Du coup, il manque quelques petits trucs, mais bon, c'est vraiment des poupouilles, hein. Je vais pas insister à le faire vraiment parfaitement. Surtout refaire un passage ici, ça va me coûter très cher en engrais. Alors, hop, oula, doucement. On va replier l'engin et on va rentrer. À la ferme. Et on va rentrer à la ferme. Hop là. Ouais, bon, bah ça, c'est pas ce que je voulais faire en fait. Je voulais faire le tour, mais c'est pas grave. Donc, ça m'a rapporté combien? Ah oui. On peut voir combien ça m'a rapporté ici. Voilà, 9508. Et obtenir. Et là, je suis payé. Paf. 9508 revenus de contrat. Bon, là, doucement, 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 on se fait de l'argent. Alors, ça monte pas super vite, hein, par rapport à FS17, je me souviens que ça grimpait pas mal. On a eu des bons contrats bien juteux avec le matériel fourni qui nous attendait juste devant le champ. Là, il faut y aller avec notre matériel ou louer le matériel. D'ailleurs, avec cette mission-là, on perdait 1500 €, je crois. Alors, il me reste 28% d'engrais dans mon réservoir. Donc ça, c'est cool. En revenant à la ferme, je vais faire le plein. Et je vais ranger l'appareil. Hop. Ah, par contre, mon champ, où est-ce qu'il en est, lui? Au niveau de la pousse. En cours de croissance. Ouais, il est toujours à la première étape. Fertilisé. Il me semble avoir vu un 94% de fertilisation. Allez, zou. Hop, on va se mettre par... oula. Sans rentrer dans le truc. Voilà, on va repasser en vue interne. Voilà. Ah, on voit la caisse là-bas qui remonte. Elle est plus légère. Et voilà, c'est fini. Et je suis 97% plein. Non, je voulais faire ça. Et on va ranger le tracteur. Hop. Et on va se refaire certainement une petite mission. Alors, une petite mission, laquelle on va prendre une pas très longue. Champ numéro 5. Une récolte sur le numéro 5. Où te caches-tu? Là-haut. Et c'est quoi? C'est du colza. C'est du colza. Oh, il est assez grand. J'en mets une toute petite, 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 petite. Récolte champ 32. Non. Récolte champ 15. Ah, épandage d'engrais. Voilà, on va essayer de faire de l'épandage d'engrais. Champ 2. Le champ 2, il est là-bas. Ah, en plus, on va visiter un petit peu. En mode accéléré. Mais ça peut être sympa. Il est beaucoup plus petit que le 6 que j'ai fait largement, donc allez, un aller-retour, ça devrait être fait. Allez, c'est... Hop là, j'ai oublié ma remorque. Mon appareil. Allez, zou. Alors, on va passer en vue externe. Pardon, je viens de renifler un petit peu, c'est peut-être pas super agréable. Alors, je crois que mes petits m'ont refilé leur rhino. Faites des gosses, qu'ils disaient. Faites des gosses. Là, il faut que j'aille par là-haut. Ah, hop, on va afficher la carte entière. Ouais, c'est ça, je vais... Non, j'aurais même pu couper à travers champ. Hein. Ouais, il faut que je fasse tout le tour pour arriver au truc. Alors là, on est à l'éleveur à grains.
Alors on prend une petite route de montagne bien sympathique avec le viaduc là-haut. Alors le viaduc, ça c'est le train qui passe là aussi, je dis pas de bêtises. Bien, on va pouvoir hop, couper par ici. Ah, j'ai caché la carte. Ah, j'aurais peut-être pas... Ouh là là, il a du mal, Pépère. Ils sont où tes chevaux Ah, c'est parce que je suis bien chargé. Merde, c'est con, là. Je vais montrer un truc et... Ouh, ah ouais, ça... La pente est raide. On va même peut-être certainement gagner du temps en passant par la route. Oh, il y a du bois là à récupérer. Du bois gratos. Alors le bois, ça se revend. Il y a une usine à copeaux de bois, alors que je vais pas dire de... Ah, j'ai pas appuyé sur la bonne touche encore. Je veux pas dire de bêtises. Pourquoi j'ai rien qui s'affiche là? Ah oui. Silo ferroviaire. Ah, c'est où? La scierie, voilà. Le bois, ça se revend là-haut. Allez, go. Je vais pas laisser le pilote automatique là parce que. Ça va se retrouver en bas. Donc là, on va vraiment aller sur les hauteurs de la carte. Donc là l'argent, ça, les missions, les contrats, ça permet de patienter en attendant que les cultures poussent quand, surtout au début, on n'a pas beaucoup de champs. On a déjà 336 000 euros, je vais peut-être acheter un champ, recultiver, par contre lequel, je ne sais pas. Surprise. Allez, on est presque arrivé. On est presque arrivé, voilà. Il n'y a pas le feu au lac. Et voilà, on commence à déployer nos ailes pour s'envoler. Oh, ça va faire un... 2, 3, 4 passages. Normalement, 2 allers-retours, on devrait être pas mal. On devrait être pas mal. Allez, mets-toi droit. Hop. Et c'est parti. Ah, y a un petit bug là, non? Champ de... Ah, j'avais pas accepté, quel con. Voilà. Allez, on recule. Et on avance. Voilà, j'avais pas accepté le contrat. Heureusement que j'en suis aperçu avant de vider l'intégralité de mon réservoir pour rien. On va passer un petit coup en accéléré. Et ah oui, après je vais, en attendant que mon champ pousse, qu'on fasse la récolte et qu'on installe nos bestiaux, nos moutons. Je ferai des petits contrats comme ça pour me faire un petit peu de pognon, histoire d'acheter tout de suite les moutons. Donc je jouerai en offline.
Et voilà, le contrat est maintenant terminé. Bon, pareil, je vais pas faire comme l'autre, hein. Il manque vraiment une... 2-3 poupouilles, hein, c'est si vraiment c'était, il manquait la moitié du champ à faire. Allez, hop, on va replier nos ailes et on se retrouve en bas. À tout de suite. Et nous voici bientôt arrivés à la ferme lorsqu'il sonne la fin de cet épisode. Tech, donc il sera un petit peu court, je pense, celui-ci. J'ai pas regardé le temps. Je pense qu'on devrait être sous la demi-heure en tout. Pour la prochaine fois, on devrait avoir le champ qui sera récolté. Moi, en attendant, je vais... Ouh là là, il patine un peu le tracteur. Il patine un peu mon tagazou. Entre-temps, je vais faire quelques petites missions. Donc, je sais pas lesquelles je vais faire. Là, je vais essayer d'en trouver une sympa. Tiens, d'ailleurs, j'ai pas validé ma quête. Hop, voilà. Donc, je vais faire des missions en hors ligne. Histoire de gagner un petit peu d'argent. Pour la prochaine fois, donc on devrait pouvoir récolter notre champ. Ou on sera pas loin de récolter notre champ. Et j'installerai l'enclos à moutons. L'enclos à moutons qui sera, je pense... Alors, je vais descendre du tagazou. Je pense que je le mettrai là. Dans une de mes parties d'essai, je l'ai mis de l'autre côté. Ce qui me plaisait un peu plus. Le souci, la montée ici devient inaccessible. Ça fait une espèce de... Voilà, c'est trop abrupt et les tracteurs peuvent plus monter. Donc je vais certainement le mettre le long de l'autre champ là-bas. En laissant peut-être un petit espace, histoire de passer par là. Voilà, on verra bien. Ensuite, je vais installer un petit... Oups là! Où c'est qu'il est? Le petit cabanon, un atelier à véhicules pour upgrader et réparer mes véhicules tout seul. Donc... Peut-être pas tout à fait la prochaine fois, hein. Niveau pognon, bon, on n'est pas encore... C'est... Bon, 340 000, oui, ça devrait le faire. Et installer également un karcher pour nettoyer les véhicules. Le point d'eau, je ne sais pas... Je ne sais pas, on a un petit lac qui est juste à côté. Donc je ne sais pas si ça va valoir le coup... Peut-être pour éviter de se prendre la tête. On verra bien. Et le fuel tank, la petite station service à domicile. Alors j'espère que vous avez bien aimé cet épisode. Je vous dis à ciao ciao tout le monde. À la prochaine fois.